D'ailleurs, Laura en a parlé et puis elle m'avait dit qu'elle serait là, donc je suis un peu déçu. Oui, on pensait qu'elle serait là, c'est vrai. On pensait. Lorane, bon. Les promesses de Lorane. On pensait tous qu'elle serait là, mais que veux-tu, c'est comme ça. Mais donc, parlons pas de Lorane, c'est intéressant, mais on va pas parler de Lorane, on va parler de Lil on the Rock. Ouais, Lil on the Rock. Lil on the Rocks and, je vais parler en anglais. et l'endroit aussi, à Carros, qui est très bien. Donc, ouais. Lil on the Rocks, ils reviennent, ils sont super. Nous, on répète avec eux à côté, donc on est voisins de répète, au petit labo, à Valoris. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que le petit labo s'agrandit et qu'ils ont un nouveau projet avance et qu'on peut les aider sur crowdfunding en internet. Et en tout cas, le concert était très bien. Bravo à eux. Et Benoît et la Lune aussi, c'était très bien. Belle découverte. Il est là, moi, il y a quand même quelques années. Maintenant, j'irai 2-3 ans que je ne les ai pas vus sur scène. Et ça me manque un peu parce que je les aime beaucoup. Je les aime autant en tant que personne. Et puis, et puis j'aime ce qu'ils font. Donc, j'espère que bientôt, ils vont faire un disque, un machin, une date. Et puis, je vais pouvoir y aller. C'est la dernière fois que vous étiez passé à la Hacienda, là. J'ai pas pu venir, encore une fois. Je ne peux pas être partout. Ma bonne dame.